OK, moi j'ai 13 heures. OK, on débute. OK, je vais commencer. Donc, j'ai plusieurs petites annonces à faire au début du cours. Ça va bien le devoir, là? Ça allait y arriver? L'échéance est demain? Oui? Travaillez fort? C'est demain ou aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Oups! Attendez un peu, on va... 13, on est quelle date? On est le 13? OK, ça explique pourquoi j'ai failli manquer un rendez-vous hier. Je ne suis pas très bon avec les dates. Non, c'est aujourd'hui. Hey, c'est ce soir. Oh. OK, donc travaillez-y très fort parce que nous, on a bien hâte de vous présenter le devoir 3. Qui va en fait être sur deux devoirs. Le premier, on fait la version simple. Ça c'est la version simple. Vous connaissez le jeu Flood It? Non. Dans la version qu'on retrouve sur Internet, mais qui n'est pas aussi intéressante que la nôtre, on commence toujours dans le coin en haut à gauche. Et là, lorsqu'on sélectionne une des couleurs, les billes adjacentes à la bille sélectionnée deviennent sélectionnées. Donc, si je sélectionne le vert, j'ai maintenant une zone qui consiste en ces deux billes-là. Si je sélectionne le gris, les deux billes vertes deviendront grises et ce carré-là va devenir la zone sélectionnée. Ensuite, ma stratégie à moi serait de choisir le orange. Ces quatre billes-là vont devenir orange et les billes adjacentes, celles qui touchent, deviennent orange aussi. Ensuite, j'irai vers le vert. Je transforme la zone sélectionnée en vert. Et comme ça, je me déplace. Ça s'appelle « flood it » parce que c'est une inondation. On part d'un coin, puis tout ce qui est adjacent à la zone sélectionnée change de couleur. C'est vraiment, c'est des heures de plaisir à jouer avec cette chose-là. Donc, on va vous demander de programmer cette chose-là. Puis, on va vous demander de programmer ça de façon élégante. La première version qu'on vous propose, c'est celle-là. Ou on peut aussi, sur la ligne de commande, changer la taille de la chose. Donc là, 20, c'était peut-être un peu ambitieux. Disons 15, comme ça. Donc ça, c'est la version pour le devoir 3. Puis ça ici, c'est la version... Ah. Ah ben oui, j'étais correct. Java Flood It. Ça, c'est la version pour le devoir 4, qui, elle, a plusieurs particularités. Entre autres, on peut jouer sur un tore, donc un espace, on prend une surface 2D, on la replie comme ça, puis on la replie comme ça. Un bang, finalement. C'est un tore. On peut aussi jouer avec l'inondation de façon perpendiculaire ou selon les diagonales. Ensuite, ce qui est intéressant aussi avec l'appli, c'est que celle-là, c'est que si on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose de possiblement bête, on peut faire « undo »
Et le undo va faire appel à un concept de pile. Puis la dernière chose qui est intéressante, c'est que si on quitte l'application, elle va sauvegarder l'état du jeu puis le reprendre. Donc, ça va vraiment être une version complète. Vous allez vraiment pouvoir démontrer à votre famille ce que vous avez fait, comment vous avez dépensé l'argent à l'Université d'Ottawa. Je regarde, je n'ai pas joué, j'ai fait des jeux. Puis là, je peux faire des sous maintenant avec ces jeux-là. Je peux les vendre. Donc, ça, c'est le devoir qui s'en vient. Je voulais aussi vous montrer que sur la page des devoirs, j'ai publié la solution du devoir 1. Donc, je vous invite à la consulter. Si vous n'avez pas remarqué aussi, sur la page de notes, il y a, à chaque semaine, j'ajoute les solutions des laboratoires. Donc, les solutions antérieures sont là. On a donc cette semaine le laboratoire 5 qui s'en vient. Puis pour le laboratoire 5, donc qui porte sur les interfaces graphiques, je voulais vous présenter tout de suite le quiz pour que vous puissiez y travailler dès maintenant. Parce que, ouais, le quiz, on vous donne les points même si vous n'avez pas la bonne réponse. Fait que là, vous pouvez dire, je peux répondre n'importe quoi. Puis vous aurez aussi n'importe quoi comme note à l'intra. Le quiz, c'est moi qui l'ai fait le week-end dernier. Je me suis dit que ce qui manque à plusieurs personnes, c'est des habiletés à déboguer les programmes. Puis ça, c'est super utile. C'est vraiment, je le dis toujours, apprendre à programmer, c'est pas tellement apprendre à programmer comme apprendre à déboguer. Si vous n'avez pas des bonnes habitudes pour déboguer, la programmation, là, c'est absolument désastreux. On déteste ça. On perd notre temps. On peut passer 3 jours à chercher une erreur. On veut s'arracher les cheveux. C'est pas drôle. Donc, c'est important de développer des habiletés à déboguer. Donc, j'ai écrit un programme, un petit programme, puis intentionnellement, j'ai fait exactement 3 erreurs. 3. Elles sont très simples. C'est de l'ordre d'une ligne de code, quelques caractères. Là, c'est très simple. Là. Donc, courez pas de midi à 14 heures à déconstruire tout ce truc-là, puis à dire, Marcel, il a fait plein d'erreurs. Il y a vraiment juste 3 erreurs. Un point lié à ça, qui est super important à mon avis, c'est que, puis ça fait 17 ans que j'enseigne le cours, là, fait que je l'ai vu à répétition, vous comprenez bien, vous comprenez très bien, vous codez quelque chose, votre solution, elle est très près de la solution finale, ça va bien, mais là, il y a des erreurs, puis là, vous doutez de vous. Puis vous déconstruisez votre solution, puis vous la rendez de moins en moins similaire à la solution finale parce que vous avez des doutes, parce que vous ne comprenez pas le message d'erreur du compilateur. Donc, c'est vraiment important de travailler sur vos habiletés à déboguer. Il y a 3 petites erreurs là-dedans. Je vous montre ce que l'application fait. C'est vraiment, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus génial que l'autre application que je vous avais présentée pour le calcul du carré, là. Celle-là, il s'agit d'un bouton. Puis quand on clique sur le bouton, il change de couleur. Puis là, ça recommence. J'ai juste 3 couleurs. Fait qu'au début, il est gris. Après ça, il devient orange. Après ça, il devient bleu. Sauf que ça, c'est la version déboguée que je vous ai montrée. Celle-là, Si on regarde ici, si je vais à terminal, on va s'assurer que vous pouvez lire ce que je fais. OK, ça va. Ici. Donc, je vais enlever toutes les classes.
Oui, Java C, app.java. Donc, celle qui est app, c'est la version que je vous donne. App 2, c'est la version débuggée. Si on fait maintenant Java app, bien, elle ne fonctionne pas. Elle compile, mais il y a cette erreur-là. Null pointer exceptions, je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas rencontré null pointer exception? Ah oui? Wow! Bravo! Ça veut dire que tu es très, très bonne, ça. essaie de maintenir ça jusqu'à la fin, de ne pas rencontrer null pointer exception. Là, c'est... Donc, j'ai fait trois erreurs, malheureusement. Fait que vous pourriez être tenté de dire, ben, je ne vais pas le faire. Mais vous allez passer à côté d'une expérience de débogage, quelque chose qui va être super utile si vous avez un job, un boulot, où vous devez travailler avec des collègues, regarder le code de quelqu'un d'autre et trouver les erreurs. OK. Donc, c'est pas mal ça pour ces choses-là. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant que je me lance? Oui. Hervé. Oui. Oups. Pour l'indentation, oui. Est-ce que c'est une bonne indentation? C'est une indentation où tous les brackets sont bien fermés ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être. Ben, les deux. la solution pour le devoir 1. Pourquoi j'arrive pas à aller tout en haut, là? Juste un instant. Donc, est-ce que c'est suffisamment gros derrière? On peut voir ça? Donc, l'indentation est importante pour qu'on distingue bien que ce if-là est à l'intérieur du for. Ça rend la lecture du code simple. Il y a différents styles d'indentation. Ce qui est important, c'est, pour moi, c'est d'être consistant. Ce que j'ai fait ici pour le devoir 1, j'ai utilisé Eclipse. Il y a un truc qui s'appelle format. Puis je lui ai dit, reformate le code. Je sais que dans les solutions des labos, je ne les trouve pas très bien formatées, là. Au début, les premiers labos, je repassais à travers pour les formater. Maintenant, je manque un petit peu de temps là, pour ajouter des petits espaces à gauche et à droite. Moi, j'aime bien que le code soit formaté de cette façon aussi, assez aéré. Je trouve que c'est clair. Donc, vraiment, moi, mon style, j'aime bien que la parenthèse ici, elle soit au niveau du for. Que cette parenthèse-ci soit au niveau de la méthode, celle-ci au niveau du if. J'aime bien ajouter un espace là, donc c'est... Mais ce que j'aime pas, c'est quand tout le code est à gauche, c'est extrêmement difficile de lire la logique de quelqu'un. Alors que quand c'est indenté comme ça, je vois, OK, il y a une boucle, puis à chaque tour de boucle, de temps en temps, il y a un test, il est vrai, puis on va faire quelque chose. La logique ressort facilement. Les noms de variables qu'on donne, si je donne un nom de variable qui est par exemple Zozo, ouais. Et que je dis ce que Zozo est, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. D'une part, tu risques d'avoir l'air Zozo dans l'industrie. il y a 30 ans, j'avais un de mes amis. Ouais. À l'université, qui appelait ses variables Toto, Tata, des trucs comme ça. Il est devenu professeur à l'université, quand même. Encore là, c'est une question de... C'est une bonne question. C'est une question où il faut toujours faire un peu de psychologie inverse. Comme les enfants font la psychologie de leurs parents. Qu'est-ce que mon parent veut pour qu'il me donne les sous pour aller au parc d'amusement ou les choses comme ça, là? Donc ici, tu veux que le TA, il regarde ton code puis dit « Wow, ça a l'air de bien fonctionner, j'ai peut-être même pas besoin de le compiler, c'est tellement beau, je vais y donner tous ces points. »
Si tu mets quelque chose qui est peut-être la bonne solution, mais l'indentation est vraiment, c'est tout est à gauche. Tu avais Zozo, Zaza, etc. C'est pas indenté. Les noms de variables, ils veulent dire n'importe quoi. Si tes noms de variables sont significatifs, ici, count. Ah, OK, ça compte quelque chose. Elems. Ah, OK, c'est une référence vers un tableau d'éléments. Il y a un S, c'est au pluriel. Ça devient presque de l'anglais. Ça devient lisible. Merci, Hervé. Oui? Oui, effectivement. Et après, on peut mettre aussi les paramètres sur le moment, c'est ça? C'est ça. On détecte si l'usager sur la ligne de commande avait mis des arguments, alors la longueur du tableau est plus grande que zéro. Okay. On peut aller les chercher. Puis, un élément qui est important avec ça, c'est, puisqu'on n'a pas vu encore le traitement des erreurs qui se fait à l'aide d'exceptions, on suppose que les arguments sont valides pour l'instant. Plus tard, quand on aura appris comment gérer les situations d'erreur, à l'aide d'exceptions, là, on introduira des traitements d'erreurs plus sophistiqués. C'est bon? OK. Mon plan de match en première partie, c'est de parler d'un sujet lié aux interfaces graphiques. Puis la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que vous avez un devoir 3 qui s'en vient, qui est une interface graphique et pour laquelle on a pris soin de l'implémenter d'une façon élégante, robuste, un standard de l'industrie MVC. Donc, on va en parler un peu ici. OK, donc... Il y a un truc qui s'appelle des patrons de conception. En anglais, on appelle ça « design patterns ». C'est vraiment rien de bien, bien sorcier. C'est simplement des solutions standards à des problèmes. Des façons de dire, pour résoudre ce problème-là, il pourrait être avantageux d'avoir une interface et deux classes. Le problème que je vous avais présenté, qui était le problème des alertes, des messages d'alerte à l'Université d'Ottawa, je vous avais dit, j'ai utilisé une fonction de rappel. Il y avait une interface qui s'appelait Alert, Process Alert ou quelque chose comme ça, Alert Listener. Les clients devaient réaliser l'interface. Comment je viens de l'appeler? Alert Listener. Et le serveur avait une méthode qui s'appelait Register, enregistre, qui avait un paramètre de type Alert Listener. Cette façon-là d'organiser une application avec une fonction de rappel, c'est un classique. Tous les gens qui ont fait des études en informatique connaissent ça. Ils reconnaissent votre façon de structurer le code, comme ça, c'est aisé. Pour la programmation des applications web, il existe une façon de structurer les applications qui s'appelle modèle vue contrôleur, MVC. Puis cette façon-là d'organiser les applications, elle est super pratique, super versatile, elle nous aide beaucoup à implémenter des applications qui sont faciles à maintenir à travers le temps. OK? Donc, si vous entendez quelqu'un vous dire, est-ce que tu connais ce patron de conception-là, ce design pattern-là, qui s'appelle MVC, qui s'appelle fonction de rappel, il n'y a rien à paniquer, il est juste en train de vous dire qu'il y a organiser son programme à l'aide de quelques classes, d'une façon très, très régulière, d'une façon structurée, d'une façon bien connue. Donc, il y a des livres, entre autres, qui
publie différents patrons de conception. Le gros avantage, c'est que tous les programmeurs de l'industrie sont familiers. Vous avez codé votre solution d'une certaine façon. Il est facile pour les autres programmeurs de s'insérer dans vos raisonnements. Ce qu'on appelle MVC, c'est la relation qui existe entre un modèle, un contrôleur et une vue, une ou plusieurs vues. Donc ici, quand on parle de MVC, on parle généralement d'application graphique. On voit que, ici, j'ai indiqué avec des nombres les interactions ou l'ordre des interactions. Ce qui va se passer, c'est l'utilisateur a cliqué sur un bouton de la vue. En premier, la vue va informer le contrôleur, va lui dire « Hey, l'usager a cliqué sur un bouton. » Contrôleur va regarder, va déterminer le type d'action. Est-ce que c'était le bouton « Exit » Est-ce que c'était le bouton « Remise à zéro » Donc, il va regarder la nature de l'interaction usagée, va maintenant parler au modèle, va lui dire « Hey, l'usager a cliqué ce bouton-là, ça veut dire « Remise à zéro ». Le modèle va redistribuer les billes de façon aléatoire si on parle du problème Flooded. Si c'était « j'ai sélectionné une couleur, il faut maintenant changer les billes autour de la zone sélectionnée », c'est ce que le contrôleur va faire. Il va interagir avec le modèle pour faire une mise à jour des données du modèle. Une fois qu'on a fini l'intervention auprès du modèle, le contrôleur, il revient, puis il informe la vue, il dit « Parfait, rafraîchis-toi, redessine le rendu visuel de l'application. La modification a été faite sur le modèle. » Dernière étape, la vue va consulter le modèle pour redessiner. Dans le cas de l'application Flooded, on va lire chacune des billes. On va dire « La première, elle est de quelle couleur? » Ah, c'était de couleur violet. Je vais afficher une bille violet. Deuxième élément du modèle, c'était orange. J'affiche une bille orange. Donc, la vue va se rafraîchir en fonction des informations qui sont dans le modèle. Donc, ce qui est intéressant avec cette architecture-là, ça a vraiment plusieurs bénéfices, là, mais il y en a un qui est, on peut travailler de façon indépendante sur les morceaux. Si on a bien fait notre travail, le modèle, puis je vais l'expliquer dans quelques secondes, le modèle, c'est vraiment les données de cette application-là. On peut penser à une banque de données, on peut penser à, dans le cas de l'application Flooded, c'est vraiment une grille dans laquelle il y a l'état, la couleur, le type de chacune des billes du modèle. Il y a l'information. Est-ce que c'était une bille qui faisait partie de la section capturée? Parce qu'il y a cette idée-là dans Flooded, que certaines billes font partie de la zone capturée. Donc, ces choses-là sont dans le modèle et le modèle est possiblement réutilisable. On peut le réutiliser dans des applications web, dans des applications interface graphique, etc. Donc, il y a une idée, ces morceaux-là sont indépendants. Il y a aussi l'idée que quand on code une application, puis que tout est entremêlé, il y a des énoncés qui sont là pour la logique du jeu, il y a des énoncés qui sont là pour le rendu visuel, puis il y a des éléments qui sont là pour la sauvegarde des données. Si tous ces éléments-là sont entremêlés, la logique est difficile à saisir. Fait que là, on fait tout simplement un découplage, on a découpé l'information. Ce qui appartient aux données, on l'a mis dans le modèle. Ce qui appartient à la logique du jeu, c'est dans le contrôleur.
Puis la vue est quelque chose de très simple, simpliste. Elle fait simplement produire un rendu visuel du modèle. Fait que là, les trois parties sont très... Ils ont des tâches très claires. Si j'ai un problème, puis que c'est lié à la logique du jeu, probablement que c'est dans le contrôleur. Si j'ai un problème d'affichage d'une des billes ou le bouton n'est pas au bon endroit, c'est dans la vue. S'il y a un problème avec la sauvegarde des données, c'est dans le modèle. Il y a une question derrière. Oui? Oui. C'est vraiment les données. Comme dans Floodit, là, ça va être une grille où tu dis, dans cette cellule-là, j'ai une bille qui est de couleur ça, puis présentement, elle ne fait pas partie de la zone capturée. L'autre bille, elle est de telle couleur et elle fait partie de la zone capturée. Donc, c'est vraiment une représentation très abstraite. Il n'y a pas d'idée de vue, c'est juste les données. Puis on va avoir un exemple vraiment hyper concret dans une minute. OK. Ah, OK. Peut-être un dernier aspect aussi. Dans le cas de Floodit, ce qui va être intéressant, c'est on va, à chaque fois qu'on va faire une modification du modèle, on va sauvegarder l'ancienne version. Puis là, on fait une modification. On va sauvegarder l'ancienne version. Modification, on va sauvegarder l'ancienne version. Quand on va vouloir faire une opération undo, défaire, on va tout simplement remplacer le modèle par courant par l'ancien, puis on va dire à la vue, affiche-toi. Elle va lire l'information. Ça va être super simple à implémenter l'opération undo. Un autre avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs vues. Ça peut être intéressant pour des choses comme, de plus en plus, particulièrement en Ontario, on nous demande de développer des applications qui respectent les lois sur l'accessibilité. Donc ici, on peut imaginer que l'application pourrait avoir une vue pour personnes non-voyantes, un lecteur qui va dire l'information. J'ai une grille, elle est de 4 par 5. En haut à gauche, c'est bleu. L'interface va être une interface vocale. Je peux avoir une vue qui va être une vue de débogage, une vue qui va imprimer beaucoup d'informations sur la console, sur l'état du jeu. Donc, il va être facile d'ajouter des vues, même dynamiquement, lors de l'exécution du programme. Donc, ça aussi, c'est un grand avantage du MVC. Ça, c'est ce que je viens de dire. On va pouvoir dynamiquement changer les vues. On peut même penser, demander à l'usager, « Préfères-tu la vue classique ou la vue ultra-moderne? » Puis là, on va remplacer dynamiquement l'objet vu par un nouvel objet qui va donner un rendu différent. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'organiser l'information. Donc, le modèle, c'est vraiment là où il y a l'état du jeu. Il y a les attributs. On va sauvegarder les données de cette application-là. La vue, c'est ce qu'on voit. Puis le contrôleur, c'est la logique. C'est l'usager a cliqué sur maintenant la couleur orange. Je dois aller sélectionner toutes les billes orange autour de la région capturée. OK, donc ça, c'est essentiellement ce que je viens de dire. La vue, évidemment, elle connaît très bien le modèle. La vue, on ne peut pas imaginer qu'on va savoir comment placer les billes, à moins qu'on connaisse bien le modèle. À l'inverse, est-ce que j'ai cette information-là ici? À l'inverse, on voudra que le modèle, lui, il ne connaisse pas la vue. Le modèle, idéalement, il n'y a aucune ligne de code qui nous parle d'afficher des boutons, d'afficher des choses. La vue, quand on va focusser sur l'implémentation de la vue, on va vraiment
sur l'implémentation du modèle, on va vraiment focusser sur les aspects données, sauvegarde des données, transformation des données. Le contrôleur, lui aussi, doit bien connaître le modèle parce qu'il va l'interagir, il implémente la logique du jeu. On va regarder un exemple où on va utiliser quelque chose d'hyper simple. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment... Bien, premièrement, je ne pense pas qu'on développerait une application juste pour un compteur, là. C'est vraiment simple, mais c'était ça le but, là. Je voulais vous fournir un exemple qui était simple. Donc, on va fournir des interfaces graphiques à notre compteur. Vraiment, l'objet que je vous ai présenté au tout début quand on a parlé d'orienter objet. Donc, celui-ci. Un compteur possède une variable d'instance value. Évidemment qu'elle est privée. Dans mon constructeur, je mets une valeur 0. J'ai une méthode incrémente, getValue, remise à 0. Puis quelque chose pour afficher un compteur. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser la classe Counter comme modèle. Donc là, on connaît tous très bien la classe Counter. C'est le modèle très simple qu'on a ici. Ça sauvegarde une valeur. On va lui fournir un contrôleur, puis on va lui fournir, dans ce cas-ci, plusieurs vues. La façon que ça va fonctionner, ça va être comme ça. L'utilisateur va cliquer sur un bouton incrémente. On va appeler la méthode ActionPerform du contrôleur. Donc, c'est lui qui va être le gestionnaire des événements. Le contrôleur va regarder, OK, il y avait un événement. Est-ce que l'utilisateur avait cliqué sur le bouton remise à zéro ou incrémente? En fonction de ça, il va appeler la méthode incrémente ou reset. Une fois qu'il a fini, il va maintenant informer la vue. Il va dire, hey, j'ai fini mon travail. J'ai informé le modèle du changement nécessaire. La vue va appeler la méthode getValue, puis va afficher la valeur du compteur à l'écran. C'est bon? Donc, le modèle, vous êtes familier, il est très simple. C'était ça l'idée, rendre les choses simples. Pour démontrer la puissance du modèle, j'ai décidé d'utiliser une interface que j'appelle View. Une interface possède une méthode update, de sorte que le contrôleur peut avoir plusieurs vues, puis à chaque fois qu'il va avoir terminé un changement du modèle, il va informer toutes les vues, il va leur dire « mets-toi à jour, mets-toi à jour, mets-toi à jour ». Donc, à l'aide de l'interface comme ça, j'ai pu caractériser que les vues, c'est des objets qui possèdent des méthodes, une méthode update. Je vais vous proposer deux vues, une vue qui va être graphique puis une vue qui va être textuelle. Donc, la vue textuelle, c'est peut-être une vue pour le débogage. Je veux m'assurer que tout est correct. J'affiche beaucoup de détails de l'implémentation. Mais on pourrait avoir d'autres vues. Je pourrais, si ça vous tente d'essayer, il y a des librairies pour la manipulation du son en Java. Vous pourriez avoir une vue qui serait une vue auditive, qui pourrait donner la valeur. À chaque fois que vous cliquez incrémente, il dirait 3. Clique incrémente 4. Il pourrait verbaliser l'information. On va commencer avec la vue qui est la plus simple. Donc, pour que je puisse enregistrer une vue, il faut que l'objet, sa classe, réalise l'interface View. Pour que ça compile, il faut que j'ai une méthode update. C'est le contrat
View dit, tu dois avoir une méthode update. Parfait. J'ajoute une méthode update. La vue doit connaître le modèle. Il faut qu'il y ait une référence vers le modèle. Il faut que je sois capable d'appeler la méthode toString pour obtenir la représentation de chaîne de cet objet-là, dans ce cas-ci. Comment on va faire ça? Bien, le constructeur a un paramètre de type, dans ce cas-ci, notre modèle, c'est counter. Et quand on va créer l'objet TextView, on va lui passer la référence du compteur. La vue textuelle va sauvegarder cette information-là dans sa variable d'instance. De sorte que plus tard, quand il y a un appel à la méthode update, on va tout simplement chercher la représentation de chaîne du compteur. Ça vous va? Est assez simple comme cette vue-là. La vue graphique est évidemment plus demandante, là. Il y a plus de lignes de code. Mais on va commencer. Donc, c'est Graphical View. Si on veut pouvoir l'enregistrer comme étant une vue, on doit réaliser l'interface View. Ce qui veut dire qu'on a une méthode update. Dans la méthode update, encore une fois, il y a cette idée-là que la vue doit garder une référence vers le modèle parce qu'on va vouloir lire la valeur, le contenu du compteur. Donc, de la même façon, mon constructeur a un paramètre qui s'appelle modèle qui est de type compteur. Au moment où on va créer la vue graphique, on va passer au constructeur la référence du compteur, puis la vue va sauvegarder cette référence-là dans sa variable d'instance. L'autre élément qui est important, c'est, dans ce cas-ci, la vue graphique va avoir les boutons, et c'est elle qui va devoir informer le contrôleur qu'il y a eu un clic de bouton. Donc, on va passer au constructeur une référence vers l'objet contrôleur et on voit ici que on va enregistrer auprès du bouton le contrôleur. Sur le bouton « Reset », on va aussi enregistrer le contrôleur. Donc, le contrôleur devient le gestionnaire des événements pour les deux boutons qui sont ici. Un autre aspect, c'est la vue graphique. Je vais utiliser un objet de la classe JFrame, donc ça va être quelque chose de avec une petite barre en haut, avec un contenu. Et là, le reste, c'est vraiment cosmétique. J'ai décidé d'utiliser un gestionnaire qui s'appelle Grid Layout, puis de lui dire, il y a trois, c'est une grille d'une ligne et de trois colonnes. Ensuite, on a ajouté un premier bouton, on a ajouté un deuxième bouton, puis on a ajouté un objet JLabel, qui est tout simplement un texte dans la troisième zone. Ensuite, est-ce qu'il me manque? Ah oui, ici. La vue graphique doit garder une référence vers l'objet JLabel parce que chaque fois qu'on va appeler sa méthode update, on va aller chercher dans le modèle la valeur du compteur, on la transforme en chaîne de caractères,
Puis on va ajouter ça dans l'objet JLabel. Ça vous va? Tout ça pour un petit bouton, là, un petit compteur qu'on va incrémenter. Donc, imaginez implémenter Assassin's Creed. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. OK, mon contrôleur maintenant. Mon contrôleur, c'est là où j'ai la logique du jeu. C'est lui le contrôleur que j'ai enregistré auprès du bouton Increment puis du bouton Reset. Pour que j'ai pu passer à la méthode AddListener, la référence du contrôleur, il fallait donc que le contrôleur réalise l'interface ActionListener. Le contrat proposé par ActionListener, c'est cette classe-là doit posséder une méthode update. Pas vrai. Je vous ai menti. Alors, est où ma méthode? Doit posséder une méthode ActionPerform. OK, donc on a enregistré auprès du bouton Reset, auprès du bouton Increment, la référence du contrôleur. Le contrôleur a une méthode ActionPerform. Chaque fois que l'usager va cliquer sur ce bouton-là, il y a un appel qui va être fait à la méthode ActionPerform. On a reçu la référence de l'objet qui a été créé par le clic. Donc, je vous rappelle l'idée. Java est orienté objet. Quand on veut modéliser des choses, on utilise des objets. L'usager clique sur un bouton, on crée un objet Action Event. L'objet va encapsuler toutes sortes d'informations, le X, Y, le moment où on a fait le clic. Vous pouvez vous essayer, ajouter une ligne ici qui affiche cet objet-là, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, clique sur le bouton, ça crée un objet Action Event. Ça a été passé au bouton via sa méthode ProcessEvent. Lui a maintenant appelé la méthode ActionPerform, a passé la référence de cet objet-là, puis ces objets-là ont une méthode qui s'appelle GetActionCommand, puis qui va nous retourner la chaîne qu'on avait utilisée pour créer le bouton. Donc, le bouton qui avait été créé, qui s'appelle avec la chaîne Increment, si c'est celui-ci qui était la source du clic, quand on va recevoir un appel à notre méthode ActionPerform, puis qu'on va demander à cet objet-là quelle était la commande, il va nous retourner une chaîne, et cette chaîne-là, ça va être Increment. Dans l'autre cas, c'était Reset. Donc, si l'événement qui a été généré correspond au clic sur le bouton Increment, on va appeler la méthode Increment du compteur. Sinon, puisque j'ai juste deux boutons, c'est forcément Reset. Une fois qu'on a fait l'action, soit Increment, soit remise à zéro, on va informer la vue, rafraîchis-toi, l'action a été faite. Donc, ça, c'est pour la Action Perform. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon contrôleur? Mon contrôleur va interagir avec le modèle, on vient de voir. Je vais appeler Increment, je vais appeler Reset. Donc, j'ai besoin d'une référence vers le modèle. En fait, dans la structure que je vous propose, c'est le contrôleur qui crée le modèle. Puis, il mémorise la référence de l'objet dans sa variable d'instance modèle. J'ai voulu avoir plusieurs vues. J'utilise donc un tableau de vues. Je l'appelle views. Vous avez compris ma logique. J'aime souvent utiliser les mots. Puis quand je les mets au pluriel, ça veut dire que c'est un tableau de ça.
j'ai une variable number of views qui va me permettre de savoir où est-ce que je vais ajouter la référence du prochain objet dans mon tableau. Donc ici, je crée mon tableau dans le constructeur du contrôleur. Je crée mon tableau. J'ai juste deux vues. C'est un tableau à deux positions. Si je voulais ajouter une vue auditive, il y aurait trois. Initialement, j'en avais zéro vue. J'ai une méthode register que j'ai créée moi-même, que je vous montre sur la prochaine page, qui me permet de sauvegarder la référence des vues. Donc ici, je crée la vue graphique, new, création d'un objet, vue graphique. Je lui passe la référence du modèle, puis je lui dis, je suis le contrôleur de cette application-là. Je crée une vue textuelle. Celle-là n'a pas besoin d'une référence vers le contrôleur parce que je ne saisis pas de données au clavier ou quoi que ce soit. C'est une vue en affichage seulement. Puis Update, ça va tout simplement mettre à jour l'information. Register, c'est le dernier morceau qui nous reste l'avant-dernier, qui nous reste à voir. Register reçoit la référence d'un objet qui implémente l'interface vue. Je sauvegarde ça dans mon tableau de vue. Et number of views, au début c'était 0. Quand il y a un premier appel à la position 0, j'ai mis l'objet graphical views. J'ai incrémenté number of views, c'était 1. Quand j'ai fait register pour text view, je l'ai placé à la position 1, number of views et 2, pointe tout le temps vers l'avant. Dernier morceau, update. Donc, quand le contrôleur va avoir fait son interaction avec le modèle, j'ai appelé incrémente, j'ai appelé reset. Je veux maintenant informer les vues qu'elles doivent se rafraîchir. Je vais parcourir mon tableau pour vue égale à 0 jusqu'à number of views. Pour chacune d'elles, appelle sa méthode update, puis ça va réafficher le contenu. OK, donc, ça, en résumé, ça va ressembler à ça. L'usager va cliquer sur un élément de la vue. Ça force un appel à Action Perform. On va faire Get Commands. Ça va nous dire est-ce que c'est Increment ou Reset. On va faire le bon appel. Une fois que ça c'est terminé, on va dire aux vues Update. Chacune des vues va aller obtenir de l'information du modèle et réafficher l'information. Dernier morceau de l'application au complet, je me crée une toute petite classe avec une méthode principale. Je crée le contrôleur et là, tout a été mis en marche. J'ai créé un contrôleur. Le contrôleur va créer le modèle, va créer les deux objets vus. Il attend maintenant. Si l'usager clique sur un certain élément, on va voir ce qui se passe. Donc, on peut compiler ça puis jouer avec un peu. OK. Alors. On va l'utiliser dans la version simple. Alors, un autre exploit, là. Une application hyper sophistiquée. Alors, ici, on a la vue
Bien, tout ça ici, c'est la vue graphique. On voit déjà que la vue textuelle fait son travail aussi. Elle affiche la valeur. Si je déplace ça ici, si je clique sur « Incrémente », donc j'ai cliqué sur le bouton « Incrémente », il y a un objet « Action Event » qui est créé. On a appelé la méthode « Process Event » du bouton. Le bouton va appeler la méthode « Action Perform » du contrôleur. Le contrôleur va appeler la méthode « Increment » du modèle, revient, va appeler les méthodes « Update » de chacune des vues. On a donc vu que le 1 est apparu ici et aussi sur la vue textuelle. Donc, celle-là, c'est la vue textuelle. Celle-là, c'est la vue graphique, incrémente. Vous voyez, le 2 est là, le 2 est là. On voit les deux vues ici sont là. Encore une fois, des heures de plaisir. On peut faire « Reset ». Qu'est-ce que ça va faire? Hey, bravo! « Reset ». Ceci est revenu à zéro, cela est revenu à zéro. Donc, vraiment, on a tous les éléments d'une application aussi compliquée que Floodit, mais tout est assez simple. On a un modèle qui est hyper simple. Chacune des vues est très, très simple. Vous voyez, ça fonctionne encore. Remise à zéro. Éventuellement, on fait ça. Je vous encourage à jouer avec ces choses-là. Je vais aller dans le contrôleur, par exemple. Puis, donc, le code est sur la page web. Donc, ici, je reçois la référence d'un objet Action Event. À chaque fois qu'on clique sur l'un des boutons, il y a un appel là. La première chose que je fais, moi, quand je développe des applications comme ça, je veux m'assurer que ça passe aux endroits où ça doit passer. Fait que j'affiche quelque chose comme ça. Action performed was called. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça compile? Ça compile. Java app. Fait que là, ça va me donner une trace qui me démontre bien que cette méthode-là, elle est appelée. Quand je vous dis apprendre à déboguer, c'est ce genre d'idée-là. Là, je peux pousser la curiosité un peu plus loin. Je peux me dire, Marcel, il m'a dit que l'objet encapsulait des choses intéressantes. Je peux afficher le contenu de l'objet. On va compiler. Donc, est-ce que sauvegarde? Je compile. Je joue avec. Chaque fois que je clique, il y a un affichage du contenu de l'objet Action Event. Donc, on voit tout ce qui est à l'intérieur. On voit à quel endroit sur l'écran on a cliqué. Normalement, il devrait y avoir des informations temporelles si on voulait implémenter un double clic. Je prends le premier clic, je reçois un autre clic, je fais la différence de temps entre les deux. Si c'est moins d'une milliseconde, j'appelle ça un double clic. On voudrait un triple clic. Il suffit de mémoriser trois trucs puis de s'assurer que l'intervalle de temps est correct. Donc, n'ayez pas peur de faire ce genre de choses, de jouer avec le code, de déconstruire et reconstruire. C'est comme ça que vous allez maîtriser ces choses-là. Avez-vous des questions par rapport au MVC? Est-ce que ça va devenir vrai avec le devoir 3? Oui. Oui, les applications Java sont toujours formées de
deux, trois, 100 000 classes qui interagissent ensemble. Donc ici, il y a une classe. Donc si on les sélectionne toutes, les points Java, donc, l'application, c'est là où il y a le programme principal. Je crée un objet contrôleur. L'objet contrôleur crée le modèle, objet counter, crée deux objets vus, un graphique, un textuel. Le modèle, c'est vraiment ce dont on a parlé, mémorise une valeur, donc c'est vraiment, c'est difficile d'imaginer plus simple que ça. La vue graphique, bon, est un peu plus compliquée parce que il y a toutes ces choses comme le gestionnaire, les boutons qu'il faut ajouter. La vue textuelle est assez simple. Je me souviens d'une référence vers le modèle. Quand on appelle ma méthode update, je vais ici, c'est la même chose. Il y a un appel qui est fait automatiquement à la méthode toString, c'est implicite. Et la vue, ça dit, ça, c'est simplement le contrat qui dit une vue possède une méthode update. C'est bon? Donc, c'est un exemple que je trouve intéressant dans le sens où quand vous allez considérer l'application Floodit, peut-être que c'est intimidant au début. C'est la même chose que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut revenir à l'essentiel, modèle, contrôleur, vue. Il n'y a que ça. D'autres questions pour le MVC? Parce que c'est pas mal ça pour notre MVC. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va commencer. Il nous reste 20 minutes, c'est ça? On va commencer à parler de piles. Donc là, il y a deux choses avec ça. D'une part, au dernier cours, j'ai oublié de vous le dire, mais présentement, vous avez votre ceinture noire en Java. Vous avez vu pas mal tout ce qu'on va voir de Java dans les derniers cours. Il n'y aura pas beaucoup de nouveaux concepts à ajouter d'ici à la fin. OK, peut-être pas ceinture noire, ceinture verte. Vous êtes des semi-ninjas de Java. Parce que là, à partir de maintenant, on utilise tout ce qu'on a appris pour faire des choses utiles, intéressantes. À partir de maintenant, on est dans la deuxième partie du cours où on va parler de piles, de fils, de listes, d'arbres binaires de recherche, des implémentations de tout ça. Tout ce qui est Java, ce que vous avez à connaître du langage Java, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À partir d'ici, c'est des utilisations de ce langage-là. Là, il y a un truc qui m'embête beaucoup. Je ne savais pas si je devais vous le dire ou pas. Pour la première fois en 17 ans, je n'ai pas amené mon outil favori pour enseigner les piles. Je vais les amener au prochain cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mon outil didactique pour l'enseignement des piles? Où ça? Non. Non, les livres, là. Oui. Pardon? Les bonbons. Tu connais les bonbons? Donc, habituellement, j'arrive avec... à chaque année, je m'achète des distributeurs de pèses différents. Donc, je suis rendu, j'en ai 17. J'amène mes pèses, puis on joue avec les distributeurs de pèses.
Habituellement, je dis, bon, ceci n'est pas un distributeur de pèse, c'est un outil didactique. On est quand même à l'université, ça serait assez bizarre d'avoir des distributeurs de pèse. Donc, c'est un outil d'enseignement qu'on achète à des endroits très spécialisés pour professeurs qu'on appelle Sugar Mountain. Puis on joue avec ça. Je vais essayer de les amener pour le prochain cours. Je vais essayer de me racheter. Donc, on va parler de piles, de l'idée de piles. Essayez d'imaginer comment vous pourriez implémenter dans une application des mécanismes pour défaire et refaire des actions. Un éditeur de texte, Word, quelque chose comme ça, vous tapez, puis là, vous faites « undo ». Il retire le dernier mot. « Undo », il en retire un autre. « Undo, undo, undo ». Puis là, vous dites… Pardon? Oui, c'est ça, comme le « Ctrl Z ». Puis là, on peut dire « Ah, redo ». Il refait dans l'autre direction. Comment penser à l'information qu'il faut mémoriser et surtout dans quel ordre? Un autre exemple. Celui-là, il me parle beaucoup. Un navigateur Internet. Je visite une page. Je clique sur un lien dans la page. On m'amène la nouvelle page. Je lis le contenu de la page. Je clique sur un lien. On m'amène cette page-là. Je veux maintenant faire bouton vers l'arrière, back. La dernière page, il me la ramène. Je fais back à nouveau. La dernière page, il me la ramène. Cette information-là, on peut la sauvegarder dans une pile. Une pile comme une pile de livres, comme je peux empiler mon MacBook sur mon iPad. On empile les choses. J'ai une première page dans mon furteur. Je clique sur un lien. Je prends l'URL de la page, je le mets sur une pile. J'ai une nouvelle page. Je clique sur un lien, je prends l'URL de la page courante, l'adresse, je dépose ça sur le dessus de la pile. Je clique sur un autre lien, je mets ça sur le dessus de la pile. Il y a un appel à back. Je prends l'adresse du dessus, je vais chercher la page, j'affiche ça. Peut-être je veux me rappeler de la page qui était là, je mets ça sur une autre pile. Il y a un appel à back, je vais chercher sur la pile des retours arrière l'adresse. Je ramène la page. Celle qui est présentement ici, je la mets sur l'autre pile. Un appel à back. Je vais chercher l'autre élément de la pile. Je mène sa page. L'ancienne, je la dépose là. Vous pèsez maintenant sur les boutons vers l'avant, forward. Je prends celui-ci. Je mets celle-là là. Je prends celle-là. Je l'amène là. Celle-ci va là. Puis vous voyez comment on peut alterner entre ces mécanismes-là à l'aide de deux piles. Donc, les informations d'une pile, on ajoute. Quand on retire la dernière pièce d'information qui a été ajoutée. Si on en retire une autre, c'est l'avant-dernière. Si j'en retire une troisième, ce sera l'avant-avant-dernière. La pile nous retourne l'information dans l'ordre inverse qu'on l'a ajouté. Le dernier élément ressort en premier. OK, donc en anglais, on appelle ça stack. C'est un type abstrait de données. En fait, on va y fournir différentes implémentations. Ah, c'est une super bonne question. D'une part, on va avoir une implémentation sans tableau. On va avoir une implémentation dite chaînée qui va être hyper efficace en utilisation de mémoire. Et c'est effectivement un élément qui est dans les notes de cours. Pourquoi j'utiliserais un tableau plutôt que d'utiliser une pile? Puis l'idée va être que on a des succès quand on sépare les problèmes. Ici, on a un problème où on dit,
J'ai besoin d'accéder à l'information dans l'ordre inverse qu'elle est fournie. Je vais mettre mon chapeau d'implémenteur d'une pile. Je vais focusser toutes mes énergies à développer une pile qui est super solide, qui possiblement va croître et décroître aux besoins. Et quand j'ai bien terminé l'implémentation de la classe pile, j'enlève ce chapeau-là, je mets mon chapeau de programmeur qui implémente l'application Floodit. Et maintenant, quand j'ai besoin de faire, de délimiter la zone qui est inondée, je vais prendre les éléments, je les mets sur une pile, puis là, je ne me pose pas la question. C'est où dans mon tableau? C'est à la fin? C'est au début? Est-ce que mon tableau est assez grand? Pas assez grand? J'ai séparé les problèmes. Donc, ça, c'est vraiment, c'est gagnant. Vous allez voir, on va vous présenter différents contextes où on va utiliser les piles. On n'aura pas à se préoccuper de la meilleure façon de l'implémenter. On va avoir, séparé les problèmes. Super bonne question. OK, donc les piles, ça se comporte comme des piles de livres, des piles d'assiettes, des piles de cabaret. Ma représentation favorite, à part des pèses, c'est celle des assiettes, des distributeurs d'assiettes dans les cafétérias. Est-ce que vous avez déjà vu le machin là, qui a, un gros ressort? Puis, je l'aime beaucoup parce que, premièrement, c'est un gros machin, là, c'est lourd. Je ne peux pas aller chercher une assiette en dessous. Si je ne veux pas l'assiette du dessus, bien, je n'ai pas le choix, il faut que j'enlève celle du dessus, puis là, je peux accéder à la deuxième. Si c'était la troisième, je voulais, bien, il fallait que j'en sorte deux, puis là, j'ai la troisième. Une pile, ça va se comporter comme ça. Comment c'est implémenté? Ce sera un problème à réfléchir au moment où on l'implémente, mais quand on l'utilise, il faut que ça se comporte de même. Je lui dis « ajoute, ajoute, ajoute », mais je m'attends à ce que quand je vais faire « retire », c'est le dernier élément que j'ai ajouté qui est « retiré ». OK, donc c'est une structure de données qu'on va dire qui est linéaire, dans le sens où chaque élément dans la pile a un élément au-dessus ou un élément en dessous, sauf si c'est l'élément du dessous ou l'élément du dessus. Mais c'est linéaire. C'est une structure de données qu'on accède par une seule extrémité. C'est important d'y réfléchir vraiment un peu de la même façon qu'on a réfléchi au compteur. On voulait réaliser quelque chose en logiciel qui se comporte comme l'objet physique. Ici, on va vouloir réaliser en logiciel une construction qui se comporte comme une pile physique. Quand on va ajouter des choses et retirer des choses, ce sera par une extrémité qu'on va appeler le dessus. En raison de la façon dont les éléments sont ajoutés et retirés, on appelle ça LIFO, Last In, First Out. On va voir qu'il y a un autre protocole qui est FIFO, First In, First Out. Mais dans le cas d'une pile, c'est la dernière chose qu'on ajoute et la première chose à ressortir. Il y aura une façon de créer une pile vide. Puis mes piles abstraites, je vais toujours les dessiner comme ça, où il y a une extrémité pour accéder, et c'est tout. Je ne peux pas passer à travers ça ici, c'est physique, je ne peux pas y aller. Il faut que je passe par le dessus. Il y a deux opérations importantes. Il y a une opération qui s'appelle « push », qui va ajouter un élément sur la pile. Puis quand on ajoute, on passe par le dessus, puis on ajoute quelque chose sur le dessus de la pile. Si je fais un autre appel à push, bien ça va l'ajouter sur le dessus de l'élément qui s'y trouvait. L'autre opération, c'est pop,
Pop, ben, si ça se comporte comme une pile, je vais aller chercher ce qui est sur le dessus, c'est bravo, puis ça me laisse avec une pile qui contient seulement alpha. Donc, c'est important que quand vous êtes à l'extérieur, puis que vous utilisez de la classe et que vous utilisez la classe pile, vous ne vous préoccupez pas de son implémentation. De toute façon, l'implémentation devrait être privée. Je vous l'ai dit souvent, les variables en ITI 1521, les variables d'instance, sont toutes privées. Il est impossible de l'extérieur d'accéder au tableau, qui est possiblement à l'intérieur de cette classe-là. Tout ce que je vois de la pile, c'est les méthodes qui sont publiques. Donc, des piles, c'est la première structure de données dont on parle parce que c'est l'une des plus importantes. Les compilateurs utilisent des piles pour faire l'analyse du texte de vos programmes. Il y a un algorithme bien connu qui s'appelle un algorithme de retour arrière, backtracking en anglais, qui est utilisé dans des jeux. Quand on veut trouver des chemins à travers des graphes, des choses comme ça, on peut utiliser cet algorithme de retour arrière-là. On fait appel à une pile. Il y a un langage de programmation qui est un de mes langages préférés qui s'appelle Prolog, qui est un langage pour la preuve automatique de théorèmes. Et ce langage-là, automatiquement, va explorer toutes les combinaisons possibles à l'aide d'un algorithme de retour arrière. Une chose qui est importante, à mon sens, est de savoir que l'exécution des programmes, Java, et c'est vrai pour C, pour plusieurs langages de programmation, l'exécution des programmes nécessite une pile système. À chaque fois que vos programmes s'exécutent, il y a une pile qui intervient. J'ai parlé des blocs de mémoire de travail. Au début, il y a la méthode principale. Elle a son bloc de travail. Méthode principale a appelé une méthode A. Il y a un bloc de mémoire de travail qui a été placé sur le dessus de la pile. A a appelé B. Nouveau bloc de travail a été mis sur le dessus de la pile. B a appelé C. Oups, il y a un autre bloc de travail. On a terminé l'exécution de C. C n'est plus nécessaire. On détruit le bloc de travail. L'élément du dessus est maintenant l'élément associé à B. On a fini l'exécution de B. Retire. L'élément du dessus est A. On a terminé l'exécution de A. On retire le bloc A. On est maintenant à main. Main poursuit son exécution. Ceci est la clé pour comprendre la récursivité. Ça fonctionne à cause de la pile système. A est une méthode récursive. Appel A, nouveau bloc. Appel A, nouveau bloc. Appel A, nouveau bloc. Appel A, nouveau bloc. Fin de la récursivité. Retour en arrière. Je reviens là. Je reviens, je reviens, je reviens. Il y a une pile derrière l'exécution de tous vos programmes. Puis en fait, ce qu'on sait, ce que tout programmeur sait, c'est qu'on a le choix de écrire des méthodes récursives qui utilisent une pile implicite ou on peut soi-même expliciter la pile pour remplacer la récursivité. On va jouer avec ces idées-là dans les prochains cours. Évidemment, il y a les undo et redo qui sont des opérations qu'on peut implémenter à l'aide d'une pile. Je vais juste terminer en vous présentant les opérations d'une pile. Il y a push qui permet d'ajouter sur le dessus. Il y a pop qui retire l'élément du dessus. Il y a isEmpty qui nous permet de savoir si la pile contient ou pas des éléments. Pour tout le reste du cours, chaque fois qu'on va introduire une nouvelle structure de données, on va d'abord la présenter à l'aide d'une interface. Il y a donc une interface qui s'appelle
stack qui nous donne les opérations essentielles. On ajoute généralement aussi une opération peak qui nous permet de regarder quel est l'élément sur le dessus de la pile. Je ne veux pas le retirer, ce n'est pas l'élément recherché. Ça nous permet de faire une lecture de l'élément qui est sur le dessus de la pile sans le retirer de la pile. Donc, on pourrait explorer ces idées-là avec les PES au prochain cours. Puis c'est pas mal là qu'on va arrêter la présentation. On va reprendre ici où on va jaser de ce petit programme-là. OK? Donc, vous avez un travail ce soir, n'oubliez pas. Important. Puis essayez de penser à mon truc de quiz à 3 bugs dans le programme.